tout le monde, c'est Magical Johnny, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le condensé numéro 2. Donc ce condensé, je vous promets cette fois-ci je vais pas parler longtemps parce que la première fois j'avais parlé pendant à peu près 3 minutes. C'était un petit peu beaucoup. Enfin bref, là, en gros aujourd'hui on se retrouve pour un condensé sur qui se déroule en deux parties. Donc la première partie où je suis accompagné tout simplement de Dexine. Donc à qui je lui dis merci parce que voilà, on avait fait des parties un peu fun, donc voilà, je les ai mises. Et ensuite, la deuxième partie, c'est tout simplement avec Gabi, parce que je vais pas dire son pseudo Minecraft, parce qu'il aime pas trop, pirate, enfin voilà, bref. Et voilà, c'est juste, je pense que c'est ma partie préférée, la partie numéro 2, parce que je me tape vraiment des grosses barres, même si c'est de la merde, je me tape vraiment des grosses barres, et donc voilà, c'est ma partie préférée. Donc c'est à peu près tout, j'ai mis pas mal de temps encore à la faire celle-là. Même si à l'heure où je vous parle, je n'ai pas complètement terminé, mais je veux le faire au moins pour avoir un aspect général de... tout simplement de mon condensé. Donc c'est déjà la fin de cette mini-annonce, et moi je vous dis, bonne vidéo. Allez, salut tout le monde. Oh, y'a un verre. Tu veux un bot? Je crois qu'il bug le mec. Je n'étais pas fait de bot. Là y'en a un, regarde. Boum, nous on se fait. Je vais mourir. Ok, on se casse. Je crois que 50 balles de conneries. As-tu vu les conneries? Waouh! As-tu vu les belles canouilles? Je les snob. Ah, je les snob. Ah ouais. Hein. Ah ben non, là il masque. Voilà, bon, je l'ai. Mais oui, c'est clair. Mais ouais. Mais oui, c'est clair. What? Le mec il me frappait trop loin. Je trouve que c'est un cheater. Un cheater. Il rush like a Christmas. Oui, rush like a Christmas. Je suis fait absolument. Par contre. Manger le téton. Habla en espagnol. Si, porque nos hombres son de la mañana. Complètement mis un sale vent, mais ce n'est pas grave. Je sais, mais je tends. J'arrive jamais à le dire. Je tends cool. C'est cool. Oh. Tends ta cool. Tiens, de violence. C'est les vacances. Faut que je finisse le rime. Anse. Florence. Avec une anse. Qui pue la ranse. Oui, mais bon, voilà. Mais je te donne pas des avances. T'imagines pas que je sens la. la panse. On fait moins le malin. C'est toi qui fais moins le malin, je viens de te mettre. T'as dit quoi? Je dis, ne pense pas que je sens la panse. Hein? Ça veut dire quoi? Je sais pas. Je pense à la panse de ma Florence. Tant que dis que je pense à Florence. Po! Oh, c'est nous. Toutou belle. Gad. On peut dire que t'as fait un sacré gag. Pardon, excusez-moi. Ah, oui. D'accord, je vous dis tout de suite. De quoi? À la dernière nouvelle, Chuck Norris a retrouvé le père de Stromae. Moi, en attendant, j'ai une épée en fer, un bitch. Tu peux m'en faire une? Fer. Tu veux m'en charbonner une? Alors ça, c'était encore plus nul. Encore. Le mec il marche sur l'eau. C'est Jésus. Et il forme de la glace. C'est Jésus. Ah, ils sont deux. C'est Jésus. Le mec il a fait toujours la même chose. Anus. Quoi? Anus. Voici la solution. Anus. Pour ma patrie. En fait non. Salut.
C'est le mec qui n'arrive plus à parler. J'ai presque un. Gros triso, mon gars. Gros triso des maths, mon gars, laisse-moi. Casse-toi, hein, sorcière de merde. Putain. Costolo. Costolo. C'est la vieille expression. Hey, t'as fumé la moquette ou quoi, là? Expression, mon gars. C'est le truc que ton grand-père disait, là, mon gars. Hey, t'as fumé la moquette ou quoi? J'étais en colo et il y avait une grosse victime, mon gars. Et le mec... En fait, là-bas, ce soir, on devait venir en quart. Ah, on s'en fout. Non, je me fais emporter par le courant. Il non m'entraîne. C'est le mec. Trop drôle. Oh mon dieu. J'aimerais être un oiseau. Vol dans le ciel. Telle ma grand-mère après avoir pris un lit de cocaïne. Ah ouais, je suis carrément allé à le Bedrock là. Oh, le B. Le mec. Le gros cassos. Je suis carrément allé à le Bedrock. Putain. Con. J'ai fait une blague. Trop bien l'autre, tu sais, j'avais une plantation de... Oui. Le truc l'autre, c'est quoi ce marché, hein? C'est le... Mais qui sait même pas parler. J'ai une plantation de... Voilà. De... Bon, voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. Comment tu fais une table d'enchant déjà? Tu mets 4 d'obsidienne en bas. Tu mets 1, 2, 3, 4. Ouais. Enfin non, 1, 2, 3 en bas. Ouais. 1 au milieu sur la... Parce que je me disais aussi, il y a que 3 blocs, tu sais, dans une table de craft. Mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? On va dire que chaque carreau, ça fait 1. Enfin, tu vois. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc sur 7, 8, 9, tu mets de l'obsidienne. Ouais. Ouais, c'est tout en bas, donc. Attends, faut que je fasse du calcul dans ma tête. Dans ma tête, là. À 5, tu mets un bloc d'obsidienne. Ok. À 4 et à 6, tu mets 2 diamants. Ouais. Enfin, non, à 4 et à 6, tu mets un diamant. Enfin, à 4, tu mets un diamant, à 6, tu mets un diamant. En gros. Ok. Et à 2, tu mets un livre. Ok, j'ai rien compris à ce que tu m'as raconté, mais... Mais t'es sérieux, mec? En plus, t'es... Non, je rigole. Grâce à toi, j'ai réussi à faire une table d'enchant. Merci, Baptiste. Mon gars, j'étais en train de me casser le cul pour essayer de lui dire. Et lui, qui fait... Ouais. Hey, mais Gami, tu te fous de ma gueule. T'as même pas fait de table d'enchanté devant moi. Putain, je te déteste. Oh, c'était connard, mon gars, il fait ouais, puis le mec, je l'ai pas. C'est le combattant. Ouais, ok, j'ai bien compris, ouais, c'est ça, ouais. Oh, mon gars, vas-y, viens. J'ai sauté. Mais dans quel cas? Je reviens ensemble. C'était les autres. Les gros cassos, mon gars. Viens là. Oh, t'es où? Ah non, je t'ai perdu. Vas-y, c'est bon. Mais qu'il n'y a aucun sens de l'orientation, il y a 4, il y a 3 portails, mon gars, il arrive pas là. La fin, mec, il y avait Baptiste, Emile et Alexandre sur le serveur d'Emile. Ouais. Et genre, Alexandre, tu vois, il s'était construit une maison. Et il avait 40 niveaux. Ouais. Il avait miné comme un porc et tout. Ouais. Et le mec, on s'est mis à 3 sur lui. On l'a défoncé. À la fin, mon gars, il pleurait. Il faisait... Mais non. Putain, non.
Non mec, t'aurais dû m'appeler à ce moment. Juste, tu fais un... Tu prends un sac avec une épée ou je prends le sac avec la pioche? Enfin, avec l'épée. J'y prends un... Prends... Ah non, regarde, il y a un tronc d'arbre. Oh, trop beau, trop beau. Où ça? Oh, trop beau, le tronc d'arbre. Je crois qu'on est dans la même partie. Hein. Oh. Ah si, putain, tu le vois? Trop stylé. C'est la première fois que j'en vois un en vrai. Oh, tu penses un truc que... de malade. Tu penses que c'est rouge. Un vrai rouge. Oh. Mon dieu, va des rétro, Satanas. Salut. Oh, il bouge. Oh, Kevin. Putain, y'a que des Kevin aujourd'hui, hein. Tu trouves pas? C'est Kiki, bah moi, t'as mis mon pseudo ou pas? Et donc, tout le monde, donc bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin, plutôt de se condenser. Donc, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Hein. C'était vraiment du fun. Hein. Donc, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Elle était différente du premier condensé parce que je voulais pas reprendre les mêmes idées. Hein, voilà. Puis, c'était pas les mêmes délires. Donc, bah, bien sûr, je remercie Dexine et Gabi Mulder qui étaient avec moi dans cette vidéo. Il faisait pas du tout exprès de faire les cons, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, enfin c'était vraiment un super moment lorsqu'on. Ah, le moment qu'on a passé, voilà. Pendant que je filmais, c'était vraiment génial, donc bah, je les remercie. Et je vous remercie surtout vous pour avoir regardé cette vidéo. Donc bah sur ce, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde.